connaître les origines de cette danse, il faut remonter l'histoire. Une histoire intrinsèquement liée à celle de l'arrivée des peuples Mossé dans cette partie du Burkina Faso et qui a bouleversé la structuration des peuples autochtones. En effet, les Sikomsé connus aujourd'hui comme société de masques chez les Mossé sont en fait les reliques des Ninsi, peuple autochtone de cette zone. Le Wiré serait donc la danse des Ninsi. Aujourd'hui, les Ninsi ou Sikomsé n'ont gardé que leur rite et la langue des initiés n'est autre que leur langue d'origine. Chez les Sikomsé, le son des flûtes annonçait le décès d'un membre de ce groupe social. Les masques sortaient alors pour accompagner le défunt pendant que des rites s'accomplissaient. Le Wiré serait donc la version festive d'une danse funéraire à l'origine. Cette version soft n'est pas accompagnée par des masques qui restent toujours associés au rite funéraire. Le Wiskamba, c'est du pluriel qui veut dire Wiré, Amoré veut dire qui danse au son des flûtes. Vous voyez, c'est des flûtes et puis des tam-tams et on sautille. C'est ça le Wiré. Et maintenant, le groupe de ceux qui dansent sont des Wis qui est le pluriel et les Kamba, Wiskamba. Amoré, à Koudougou, nous disons Wiskamba. Le Wiré joue un rôle important dans la société. Il est une source de brassage et de cohésion des populations. Les Wiskamba rassemblent non seulement les populations dont sont issus ce Wiré, mais aussi d'autres groupes sociaux, différentes populations qui se rencontrent, qui communient et qui fraternisent. Le Wiré est un cadre de détente, de réjouissance, en fait une soupape de décompression sociale. On peut noter également que certains instruments du Wiré sont des canaux de communication. On a par exemple, si on prend le cas de Nandiala, le jour de Tinsé, c'est le Wenga, c'est-à-dire le long tam-tam qui, par son son, donne le top départ des festivités. Et c'est après quoi que les autres tam-tam peuvent être joués. À Pela, le Wiré se pratique sous sa forme traditionnelle. La troupe respecte rigoureusement un calendrier annuel fixé par les sages et connu de tous les initiés. Yassida, ton si tu pas coutum d'apporter que le mot pas coutum d'a, que tu m'as coutum de zougou. Babi or ketem be kutum da ton mena wasigem bat ne bat tabi men dike tikete ya mem kutum da bala ton tum da bala ehe hangi sel ton tara wakat ti ton ho nta do mik ni ngen tum nan tiye pa ten talan tum ti sam pa kura ki kang sa wa yi wi sai pa ya kati win ga me ti kulim sa pa ga me a dong la tara wakat ti sa yi mo wata bo ndani ti sudu ngo yore ya sen wa hwa tan ke ne ba buti ki wo we ka ti yum da ko lo ve kra la butum ni ro mi kanga wa kat kanga wi sa mpakate ton ro mi ka
bale wisa hankabe ro mi ke paten tumbe wala aptare zime ti azi kensa lab tumda wa katfa ehe donc hanta wa kata e bi wonam ti sudu nyo do bi den nin kemba te bo watan tumba tumda ti wisa yipipi an tonron gilgilenga ya gon paksor on ko bu rembu de fa ro mi ke rembu de fa ta batay mane ailleurs. Le Wiri a connu quelques influences tirées essentiellement des compétitions et de l'exigence des tribunes sur lesquelles ses troupes officient. On danse en cercle fermé et c'est le trot du cheval. Quoi, 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 tintintit, 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 tintintit. Et puis on change les pas seulement tout en trottant comme le cheval qui fait le trot, c'est tout. C'est vraiment le pas traditionnel. Et jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas varié ce pas-là. Maintenant, il y a des groupes qui essaient de faire autre chose, mais le fond reste le pas traditionnel, le trot du cheval. Cette danse porte la culture de la région du Centre-Ouest. Elle est le ciment et fait la fierté des populations de la région, toute génération confondue. Le Wiri, ce que nous appelons ici Wiskamba, c'est l'identité culturelle de la province de Boulikiemdé. Pourquoi je dis ça? Quand j'étais petit, toujours au 14 juillet, c'est ça qui nous attirait vers le centre-ville. Et beaucoup de groupes qui faisaient la danse du Wiri, venant de beaucoup de villages de Boulikiemdé. Et pour moi, quand j'ai créé la troupe Samba, on faisait des tournées. La première figure que nous faisions en Europe, c'était d'avoir présenté la danse du Wiskamba pour dire que c'est l'identité culturelle d'où nous venions. Donc pour moi, le Wiri représente vraiment l'identité culturelle de la province de Boulikiemdé. Les Wiskamba nous ont bercés parce qu'en fait, ils ne dansaient pas tout le temps. Ils ont leur moment où ils avaient leur fête et ils dansaient. Et il y a des moments où bon, il y en a des festivités coutumières au niveau de notre Girsaba. Et à ce moment aussi, ils se produisaient. Donc, bon, s'ils se produisaient, on courait, on allait, on regardait. Et c'était vraiment fantastique. Et quand nous avons grandi un peu, on a tenté de danser. Mais bon, avec le déplacement pour les études, pour ceci, pour cela, et puis après, j'étais fonctionnaire. C'était difficile de continuer de danser avec les Wiskamba, mais le meilleur souvenir des Wiskamba que je retiens, c'est vraiment mon enfance. Le meilleur souvenir d'abord quand j'étais enfant, c'était vraiment le 14 juillet, où on allait au centre-ville, où il y avait beaucoup de groupes de Wiskamba. Et il y a un groupe qui est très proche de moi, c'est le groupe de Wiskamba de Ronsin. Et je me rappelle celui qui joue le grand tambour, le Wegenga, comme on l'appelle en Moré, c'était un érudit du tam-tam, parce qu'il tournait comme ça sur lui pendant des heures. Nous, on se demandait pourquoi il n'avait pas de vertige. Et quand on a grandi, on a compris pourquoi il y avait un système, il y avait une méthode, et quand tu connais la méthode, tu peux aussi ne pas avoir de vertige. Ça, ce sont des souvenirs inoubliables pour moi. Et aussi, il y avait un groupe de Wiskamba qui venait de Sambisco. Ah, ça, c'était le top. C'était le meilleur des meilleurs. Je suis né et j'ai un peu le Wiri dans mon sang. Et quand je vais en Europe, quand je vais en Amérique, quand je vais dans les pays africains et que je vois que notre danse a été reconnue, a été magnifiée par des visiteurs de notre région, cela me réjouit. Et je fais tout justement pour essayer de voir pourquoi ils ont aimé cette manière de danser qui, je sais que je vais vous expliquer, on danse un peu comme les chevaux, on trottine avec ces habillements un peu bien rouges, colorés. Alors moi, en Europe, j'étais fier de voir cela dans certains musées. Alors, et je me suis dit, mais pourquoi ne pas ramener ces images fortes de ma région ici, à Koudougou plus précisément,
Voici ce qui explique un peu que... Et j'ai essayé de faire la promotion de cela dans les ambassades. Quand nous sommes passés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, quand il y avait une fête culturelle des Burkinabés, nous qui venions de Koudougou, on dansait le wiré pour montrer à ceux, par exemple, qui venaient de Garango que leur danse aussi est bien, mais nous aussi, on a notre wiré. Voilà pourquoi j'ai voulu que cette belle danse de chez moi puisse traverser les frontières. Aujourd'hui, la ville de Koudougou, chef-lieu de la région du Centre-Ouest, porte le nom de cité du Cavalier Rouge. En fait, c'est Maurice Yamego, quand il était président de la République, qui a vraiment voulu avoir les Wiskamba à côté de lui. Le fait que quand il faisait un voyage même international, souvent il amenait les Wiskamba à les prester au nom de la ville de Koudougou. Mais il n'amenait pas les danseurs Wiskamba de la ville de Koudougou. Il amenait les Wiskamba de la commune de Nangala parce qu'il a un lien particulier avec cette commune. Et c'est quand il les a amenés, on lui a demandé ces danseurs-là, comment il les appelle. Parce qu'à Moussi, on les appelle les Wiskamba. Parce que le mot wiré, c'est sautiller en fait. Et c'est le wiré. Le wiré, c'est sautiller, c'est chanter, c'est danser, c'est bon. Donc lui, il y a le Wiskamba, Wiskamba. Donc c'est Maurice qui le premier a nommé ce danseur-là, le Cavalier Rouge. Parce qu'ils étaient habillés tout en rouge. Et leur danse là, simulait le trot du cheval. Donc il les a nommés les Cavaliers Rouges. Et quand le coup d'État a eu lieu, les Wiskamba ont pratiquement disparu. De temps en temps, on les voyait, de temps en temps, ils revenaient, de temps en temps, bon, ils les voyaient. Bon. Donc ça avait pratiquement disparu à un moment donné. Et quand moi j'ai été élu maire, j'ai tenté de les réveiller. Un jour, en conseil, j'ai posé la question au conseiller, est-ce qu'on ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, donner une entité à notre ville? Parce que jusqu'à présent, c'est Koudougou, Koudougou, Koudougou. C'est souvent Koudougou, ville rebelle, souvent sur Katiba, tout ça, c'était sur Donatiba. J'ai dit, comme les Wiskamba, c'est une danse que nous, on connaît et qu'on a vue et qu'on a connue, est-ce qu'on ne pourrait pas, d'une manière ou d'une autre, appeler notre ville la ville des Cavaliers Rouges? Et c'était un peu compliqué parce que beaucoup de gens ne voulaient pas. Ils ont dit non, quoi. Bon, on a insisté, on a expliqué, on a recommencé. Bon, les conseillers étaient d'accord. Donc on a pris une délibération et on a dit bon, on va désormais, le plus souvent possible, faire en sorte que les gens se rendent compte que c'est la ville de Koudougou qui est la ville des Cavaliers Rouges, donc on va appeler la ville des Cavaliers Rouges. Et c'est à ce moment qu'on a tenté de faire la statue que vous avez vue au niveau de la mairie et on a installé pour symboliser justement les Cavaliers Rouges dans la ville de Koudougou. S'il est vrai que les ressortissants et les populations de la région ne manquent pas de superlatifs pour qualifier ce patrimoine culturel, force est de constater que la gestion d'une troupe nécessite une organisation qui puisse la rendre autonome. L'expérience de la troupe Béonéré est consternante. Après des moments de gloire, cette troupe est aujourd'hui en cessation d'activité malgré le soutien dont elle a bénéficié d'un partenaire étranger. Nous avons connu un problème organisationnel parce que, après ça, nous les avons même accompagnés afin qu'ils puissent vraiment perpétuer cette culture au-delà de nos frontières. En 2017, nous leur avons permis de faire une tournée en Côte d'Ivoire. Ils ont fait cette tournée qui devait leur permettre quand même d'avoir quand même des ressources pour continuer à se prendre en charge. Parce que c'est vrai que la SNC, quand même de la SNC, ils ont eu un tout petit revenu. Mais nous nous sommes dit, pour que ces jeunes puissent continuer de créer, puissent continuer de se développer, il leur fallait des ressources. Et nous savions que
les quelques prestations qu'ils avaient sur le plan national étaient insuffisantes pour leur permettre de vivre. Parce que, au regard de ce que nous avons vu en 2016, nous avons vu des professionnels. Mais comment faire vivre des professionnels, des gens qui passaient des journées entières à s'entraîner pour vraiment sortir des spectacles de haut niveau. Quand nous atteignons ce niveau-là, il faut que ces gens-là puissent vivre autrement. Mais c'est le problème organisationnel qui a manqué et qui a fait que nous devrions continuer à injecter régulièrement des ressources pour permettre à cette troupe-là de pouvoir vivre. Nous avons espéré, attendant bien sûr des soutiens éventuellement du ministère de la Culture à travers les différents fonds qui étaient mis à la disposition des artistes. Nous avons présenté à deux reprises des projets qui, aux deux reprises, n'ont pas abouti. Et pour nous, surtout après la deuxième fois, ça a été quand même des éléments de déception. Parce que nous nous sommes dit que pendant plus de 10 ans, quand des hommes et des femmes travaillent à la promotion de la culture, ils ont besoin d'être motivés. Ce n'est pas motivé en tant qu'acteur, en tant que promoteur, mais motiver les acteurs qui travaillent à la promotion de cette culture-là. Franck, merci beaucoup. Zoom la main, c'est bobo. Zoom la main. Nika Farika yemre. On prenait les habits rouges là. Vous allez directement avec ça. Mambi. Dans cet environnement culturel trouble où les adultes peinent à démêler les chantres de notre patrimoine, une lueur d'espoir naît à partir d'une troupe pour enfants. Le oui, c'est une danse que j'aime beaucoup. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas essayer ça avec mes enfants à Koudougou? Et quand vous regardez, quand je suis allé dans les villages, j'ai vu que c'est des vieilles personnes, surtout à Pella, le wiré de Pella qui faisait en tout cas fureur à Koudougou. Je suis arrivé à trouver que c'est les mêmes personnes qui étaient toujours là-bas. Et le responsable m'a dit que c'est les vieux qui ont commencé le wiré là, c'est eux qui sont toujours là parce que les jeunes ne s'intéressent pas à ça. Eux-mêmes, ils veulent renouveler la troupe, mais bon, les jeunes ne s'intéressent pas à ça. Donc ça m'a vraiment tiqué quand je suis arrivé à Koudou. J'ai décidé d'essayer quelque chose avec les enfants. Je peux dire qu'il y a déjà une base, parce que déjà, il y a les enfants qui aiment la chose. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, par rapport au fonctionnement de la troupe, ouais, là, c'est vraiment une grosse difficulté, parce que c'est avec mon salaire. Voilà, on n'a pas de sponsor, en tout cas, on n'a pas quelqu'un qui nous soutienne. Et c'est avec mon salaire, je me débrouille avec, en tout cas, le matériel. Quand il y a un matériel qui manque, bon, j'attends la fin du mois, si je gagne quelque chose, j'enlève, je paye le matériel. Et c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner avec les enfants. Et aussi, en tout cas, depuis la création de la troupe, et la directrice de l'école, en tout cas, c'est une qui nous encourage beaucoup. Voici, depuis 2014, elle nous a donné une salle de répétition. Elle passe de temps en temps à nous encourager. Souvent, elle paye de l'eau pour les enfants, elle encourage les enfants. Et aussi, en tout cas, les parents, vraiment, ils ont eu confiance en moi. Quand les parents ont vu le travail, ils étaient contents. Donc, les parents aussi, voilà, ils accompagnent, en tout cas, la troupe. Accompagner la troupe, c'est le fait d'accompagner, de soutenir les enfants, les amener à chaque fois pour les répétitions. Bon, il y a tout ça là, en tout cas, qui nous motive vraiment à travailler. Il y a aussi l'inspecteur Bationo qui a été DP Culture à Koudougou ici depuis qu'il a été nommé DP Culture. Et en tout cas, avec lui, on a beaucoup travaillé. Et après, même quand il est parti, il est revenu à la DRPPNEF comme inspecteur. Il m'a toujours soutenu.
L'existence même de cette troupe d'enfants apparaît comme un motif de satisfaction et nous laisse présager des lendemains meilleurs. Les acteurs, loin de se laisser décourager, croient en l'avenir. De Wiz Kamba. Pour pérenniser ces danses, il faut vraiment que on essaie déjà de faire en sorte que les jeunes s'y intéressent. S'il n'y a pas les jeunes, ça ne peut pas continuer. Je vois des groupes aujourd'hui de Wiz Kamba qui viennent pour des manifestations, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de transmission. Il n'y a pas de jeunes qui savent jouer le wenga, encore moins le lunga. Et pire, il n'y a pas de gens qui savent siffler ce qu'on appelle le Wiz, qui donne vraiment le changement de pas. Et ça, c'est un gros problème. En ce qui me concerne personnellement, avec la troupe Samba qu'on a créée en 1982, nous essayons de faire en sorte que ces pas de Wiré ne disparaissent pas. Mais nous ajoutons quelque chose de plus pour que les jeunes puissent s'y intéresser. Nous saluons effectivement l'accompagnement de la direction provinciale, l'accompagnement de la direction régionale, et nous souhaitons aujourd'hui qu'il y ait un accompagnement national, qu'il y ait une politique nationale qui puisse donner même des orientations. Parce que lorsque ces hommes et ces femmes qui dansent sont nationalement reconnus, il faut que nous puissions orienter leurs perspectives. Comment les amener à pouvoir même avoir des prestations nationales? Il y a des activités nationales au cours desquelles nous pouvons valoriser notre culture. Que cela soit bien organisé, parce que très souvent, nous nous rendons compte que ça devient une affaire de copinage. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un au-delà, mais vous resterez loin. En tout cas, le Wiré peut vivre. Et j'ai foi que le Wiré va vivre à Kourougou. Voilà, j'ai foi que le Wiré va vivre à Kourougou parce que, si je dis cela, nous, en tout cas, on est motivés, on est... Les enfants valent 30. Voilà, c'est pas eux tous qui sont là. Les enfants valent 30 qui font le Wiré avec moi. Voilà. Et avec ce que nous on fait, il y a des parents encore qui viennent en tout cas demander à inscrire les enfants dans la troupe. Donc, déjà, on voit que comme il y a déjà une base là. Mais le véritable souci, c'est les moyens. Je suis sûr que si on gagne l'accompagnement des autorités, si on gagne l'accompagnement de la population, vu l'engagement des enfants, on peut faire revivre le Wiré à Kourougou. Sinon, sincèrement dit, à part les héritiers de l'art, moi je suis dans la danse, nous on dansait, mais le Wiré c'était dans les villages, quand on voyait ça à Kourougou comme ça, le Wiré était déjà parti. Moi par contre, je sais que la relève se prépare. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui viennent ici, je vois beaucoup d'enfants, je vois beaucoup d'écoles qui apprennent le Wiré. Alors, c'est vrai que pendant un moment, on s'est un peu perdu. On s'est un peu perdu parce qu'on a cru que ce qu'on ne connaissait pas était meilleur que ce qu'on avait. Donc, on a cherché d'autres manières de danser, on a cherché d'autres manières de chanter. Mais de manière, j'allais dire, pleine de satisfaction, je vois un retour de la jeunesse aux sources. Moi qui suis ici, comme vous dites, je vois passer beaucoup d'écoles, je vois passer beaucoup d'enfants qui reprennent le Wiré même de manière plus forte. Et quand vous allez venir, quand il y aura des manifestations, vous allez voir des petits-enfants qui sont aux côtés des têtes grisonnantes et qui apprennent. Pour dire que c'est vrai, il fut un moment où il y a eu une espèce de fébrilité pour aller ailleurs, mais nous nous sommes rendus compte que c'est mieux. Je n'ai jamais dit de rejeter ce qui vient d'ailleurs. J'ai dit seulement, il faut bien tisser ce qui est de nôtre avant de prendre ce qui est du dehors.